Ça va. Qu'est-ce que vous amène ici comme ça? Ah, nous sommes de passage. On a profité pour s'arrêter te saluer. Merci. Oh. Sinon, c'est comment? Ça va, ma déesse. On ne te sent même pas depuis là. Même au téléphone, rien. Même appeler ma BS. Dès qu'on est rentré de l'enterrement de votre frère, ça n'a pas fait 2 semaines. Le téléphone s'est gâté. Je suis là comme ça. Regarde comment je suis en train de manger. Même pour finir la pension des enfants, ça me dépasse. Je vais être dû maintenant jusqu'à ma BS. C'est ça que tu dis, petit comme ça. Deborah est rentrée. Deborah, bon appétit, c'est son oncle. Ce n'était sa soeur, son oncle. Ça, ça, là, le corps. Si tu es sorti tout à l'heure disant que ça m'a fait. Ou ça le dirait de TikTok. Ça va lui donner les abonnés, elle aura les dollars. Depuis que je suis ici, elle n'a jamais vu un dollar. Maman Choco, la manière que tu manges les arachides et le bâton, c'est comme si tu n'as rien préparé. Donc, j'ai préparé avant que je sois en train de manger les arachides avec le bâton. Demande seulement. Si tu veux manger, tu manges. Moi, je viens préparer, maman. C'est trop fort. On a déjà pensé aux enfants, je n'ai pas. Ouais. Allez, bâton. Tu ne manges pas? Non, ça va, merci. Michel, tu ne manges pas? Je mange avec ma bouche. Allez, le bâton de manioc. Tu es sûr que tu ne veux pas manger? Akamba, tu as un problème avec moi. Hey. Je me soucie seulement de toi. Et tout à l'heure, en route, tu criais comme si j'étais un enfant. Ouvre le bâton là, tu me donnes, je mange dedans. Elle dit qu'elle n'a pas faim, tu ne comprends pas quoi. Ah, et moi, je dis quoi? Tu es trop sentimental. D'abord, ça. Merci, je vais t'en vous. Michel, tu crames chez les gens. Ok. Comment tu peux dire des choses comme ça? Regarde, une femme qui reste à la maison, ses enfants ne sont pas là, elle ne se gêne pas. Elle mange les arachides. Si les enfants là sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que la femme là a laissé. Elle a trop laissé aller. Quand mon frère était là, je pense que ses enfants là pouvaient être comme ça. Jusqu'à elle dit qu'elle ne peut pas payer l'école des enfants. C'est quoi comme ça? Ouais, Akamba, tu penses que c'est facile d'éduquer les enfants quand le père n'est plus là? Ok, ok. C'est plus facile. Si tu es en train de supporter, non? Oh. Pourquoi elle nous refuse la nourriture? Hé, hey, Akamba, nous sommes arrivés, elle mangeait le bâton avec les arachides, elle nous a proposé. Hé, hey, Michel. Michel. Oh. Si je te dis que la femme là a préparé le congrès avec le porc aujourd'hui, le congrès et le porc, l'odeur là, non? Ça, donc, je sais pas, c'est comme si j'habitais là-bas. Akamba, tu es sûr que nous vivons dans le même monde? Quel même monde? Ou bien que Dieu nous a créés de la même façon? Si tu n'as pas humé l'odeur, c'est que tu as un problème. Même l'odeur de l'huile, c'est-à-dire l'huile simple, si là, je n'ai pas humé. Et toi, tu dis que toi, tu as humé le congrès qui est épicé, que quand on prépare ça ici, là, ça parfume tout le quartier. Toi, tu dis que toi, tu as humé ça. Oh non, Akamba. Je te dis encore, elle a préparé ça aujourd'hui, c'est pas un truc qui a dormi. En tout cas, tous les jours, tu es en train de supporter, tu supportes, tu supportes. Il n'y a pas de problème, hein. Non, tu exagères. Mais moi, mieux la femme là mourait. Mon frère restait en vie. Akamba, tu es une femme. Hein. N'oublie pas que tu es une femme. Ça donc, demain, même toi, ça peut t'arriver. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Du vent de mon frère, moi, je ne pouvais pas manger les arachides. Jamais de la vie.
madame. Bonjour. Je vous écoute. Oui, madame. Mon nom, c'est Maman Choco. C'est comme ça qu'on m'appelle partout. Hein. D'accord. Je suis venue ici pour demander si je peux travailler ici. Ah, vous venez postuler pour le travail? Oui, madame. Ok. En qualité de? Restauratrice. Ah, vous avez un papier qui atteste cela? Non, madame. Vous avez déposé une demande ici déjà? Non, madame. Mais ici, c'est un restaurant chic. C'est le E3W. C'est un restaurant très chic. Et nous ne recrutons ici que des personnes qualifiées. Mais ici, ce n'est pas vos choses du quartier, là. C'est un restaurant chic et de nom. Le E3W. Madame, je connais bien préparé. Je prépare pour mes enfants à la maison. Je prépare pour mon mari qui était mort. Quand il y a même funérailles dans les villages, comme ça, on m'appelle, c'est moi qui prépare. Je prépare beaucoup de choses. Le coquille, le coq, le héros, l'engueçant époux aussi même. Ah. Ok. Voilà ce que vous allez faire. Hmm? Vous allez m'apporter votre CV. Hein? CV, c'est quoi, madame? Une demande écrite. Vous vous adressez à la directrice que je suis. Hmm? Ok. Comme ça, on va vous appeler plus tard. Madame, hey, je connais bien préparé. Même l'autre jour, il y avait l'anniversaire de au quartier. On m'a appelé de venir préparer. J'ai préparé. Vous préparez même le héros ici, non? J'ai préparé le héros, le coquille, le coq, le gassin époux. J'ai préparé beaucoup d'accord, de choses. D'accord. Je connais beaucoup préparé, madame. Bien. Ok, madame. À la prochaine. Ok, bonne journée. Au revoir, madame. Pas quelqu'un qui veut travailler mais qui n'a aucun papier. Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mais chez amis, c'est la vente de son mari.
puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait. Les menaces par-ci par-là. Elle met la maman choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.